Fait par amitié sur la Terre, le 11 septembre 2003, par un anonyme. J'accepte. Mes chers amis, le 11 septembre marque le triste anniversaire d'une catastrophe hautement symbolique pour l'humanité. Peu importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place dans notre monde libre repose sur une sorte de contrat passé avec chacun d'entre nous. Vous le signez chaque matin simplement en ne faisant rien. J'accepte. J'accepte la compétition comme base de notre système, même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour l'immense majorité des perdants. 2. J'accepte d'être humilié ou exploité à condition qu'on ne permette à mon tour d'humilier ou d'exploiter quelqu'un occupant une place inférieure dans la pyramide sociale. 3. J'accepte l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles, car je considère que la prise en charge de la société a ses limites. 4. J'accepte de rémunérer les banques pour qu'elles investissent mes salaires à leur convenance et qu'elles ne me reversent aucun dividende de leurs gigantesques profits qui serviront à dévaliser les pays pauvres, ce que j'accepte implicitement. J'accepte aussi qu'elles prélèvent une forte commission pour me prêter de l'argent qui n'est autre que celui des autres clients. J'accepte que l'on congèle et que l'on jette des tonnes de nourriture pour ne pas que les cours s'écroulent, plutôt que de les offrir aux nécessiteux et permettre à quelques centaines de milliers de personnes de ne pas mourir de faim chaque année. 6. J'accepte qu'il soit interdit de mettre fin à ces jours rapidement. En revanche, je tolère qu'on le fasse lentement, en inhalant ou ingérant des substances toxiques autorisées par les États. 7. J'accepte que l'on fasse la guerre pour faire régner la paix. J'accepte qu'au nom de la paix, la première dépense des États soit le budget de la défense. J'accepte donc que des conflits soient créés artificiellement pour écouler les stocks d'armes et faire tourner l'économie mondiale. 8. J'accepte l'hégémonie du pétrole dans notre économie, bien qu'il s'agisse d'une énergie coûteuse et polluante, et je suis d'accord pour empêcher toute tentative de substitution s'il s'avérait que l'on découvrait un moyen gratuit et illimité de produire de l'énergie, ce qui serait notre perte. 9. J'accepte que l'on condamne le meurtre de son prochain, sauf si les États décrètent qu'il s'agit d'un ennemi en nous encourageant à le tuer. 10. J'accepte que l'on divise l'opinion publique en créant des partis de droite et de gauche qui passeront leur temps à se combattre en me donnant l'impression de faire avancer le système. J'accepte d'ailleurs toutes sortes de divisions possibles, pourvu qu'elles me permettent de focaliser ma colère vers les ennemis désignés dont on agitera le portrait devant mes yeux. 11. J'accepte que le pouvoir de façonner l'opinion publique, jadis détenue par les religions, soit aujourd'hui aux mains d'affairistes non élus démocratiquement et totalement libres de contrôler les États, car je suis convaincu du bon usage qu'ils en feront. 12. J'accepte l'idée que le bonheur se résume au confort, l'amour au sexe et la liberté à l'assouvissement de tous les désirs, car c'est ce que la publicité me rabâche toute la journée. Plus je serai malheureux et plus je consommerai, je remplirai mon rôle en contribuant au bon fonctionnement de notre économie. 13. J'accepte que la valeur d'une personne se mesure à la taille de son compte bancaire, qu'on apprécie son utilité en fonction de sa productivité plutôt que de sa qualité, et que l'on exclut du système si elle est plus assez productive. 14. J'accepte que l'on paye grassement les joueurs de football ou les acteurs, et beaucoup moins les professeurs et les médecins chargés de l'éducation et de la santé des générations futures. 15. J'accepte que l'on mette au banc de la société les personnes âgées dont l'expérience pourrait nous être utile, car étant la civilisation la plus évoluée de la planète et sans doute de l'univers, nous savons que l'expérience ne se partage ni ne se transmet. 16. J'accepte que l'on me présente des nouvelles négatives et terrifiantes du monde tous les jours pour que je puisse apprécier à quel point notre situation est normale et combien j'ai de la chance de vivre en Occident. Je sais qu'entretenir la peur dans mon esprit est peut-être bénéfique pour moi. 17. J'accepte que les industriels, les militaires et les politiciens se réunissent régulièrement pour prendre, sans nous concerter, des décisions qui engagent l'avenir de la vie et de la planète. Mes chers amis, peu importe nos croyances ou nos idées politiques, notre monde libre repose sur le sens de notre avancée et de chaque truc. Mes chers amis,
J'accepte de consommer de la viande bovine traitée aux hormones sans qu'on me le signale explicitement. J'accepte que la culture des OGM se répande dans le monde entier, permettant ainsi aux trusts de l'agroalimentaire de breveter le vivant, d'engranger des dividendes conséquents et de tenir sous leurs joues l'agriculture mondiale. 19. J'accepte que les banques internationales prêtent de l'argent aux pays souhaitant s'armer et se battre et de choisir ainsi ceux qui feront la guerre et ceux qui ne le feront pas. Je suis conscient qu'il vaut mieux financer les deux côtés afin d'être sûr de gagner de l'argent et faire durer les conflits le plus longtemps possible afin de pouvoir totalement piller leurs ressources s'ils ne peuvent pas rembourser leurs emprunts. 20. J'accepte que les multinationales s'abstiennent d'appliquer le progrès social de l'Occident dans les pays défavorisés, considérant que c'est déjà une embellie de les faire travailler. Je préfère qu'on utilise les lois en vigueur dans ces pays permettant de faire travailler des enfants dans des conditions inhumaines et précaires. Au nom des droits de l'homme et du citoyen, nous n'avons pas le droit de faire de l'ingérence. 21. J'accepte que les hommes politiques puissent être d'une honnêteté douteuse et parfois même corrompue. Je pense d'ailleurs que c'est normal au vu des fortes pressions qu'ils subissent. Pour la majorité, par contre, la tolérance zéro est de mise. J'accepte que les laboratoires pharmaceutiques et les industriels de l'agroalimentaire vendent dans les pays défavorisés des produits périmés ou utilisent des substances cancérigènes interdites en Occident. 23. J'accepte que le reste de la planète, c'est-à-dire 4 milliards d'individus, puissent penser différemment, à condition qu'ils ne viennent pas exprimer ces croyances chez nous, et encore moins tenter d'expliquer notre histoire avec ces notions philosophiques primitives. 24. J'accepte l'idée qu'il existe que deux possibilités dans la nature, à savoir chasser ou être chassé. Et si nous sommes doués d'une conscience et d'un langage, ce n'est certainement pas pour échapper à cette dualité, mais pour justifier pourquoi nous agissons de la sorte. 25. J'accepte de considérer notre passé comme une suite ininterrompue de conflits, de conspirations politiques et de volontés hégémoniques. Mais je sais qu'aujourd'hui tout ceci n'existe plus, car nous sommes au summum de notre évolution. Que les seules règles régissant notre monde sont la recherche du bonheur et de la liberté de tous les peuples, comme nous l'entendons sans cesse dans nos discours politiques. 26. J'accepte sans discuter, je considère comme vérité toutes les théories proposées pour l'explication du mystère de nos origines. Mais j'accepte que la nature ait pu mettre des millions d'années pour créer un être humain dont le seul passe-temps soit la destruction de sa propre espèce en quelques instants. 27. J'accepte la recherche du profit comme but suprême de l'humanité et l'accumulation des richesses comme l'accomplissement de la vie humaine. 28. J'accepte la destruction des forêts, la quasi-disparition des poissons de rivière et de nos océans. J'accepte l'augmentation de la pollution industrielle et la dispersion de poisons chimiques et d'éléments radioactifs dans la nature. J'accepte l'utilisation de toutes sortes d'additifs chimiques dans mon alimentation, car je suis convaincu que si on les met, elles sont utiles et sans danger. J'accepte la guerre économique sévissant sur la planète, même si je sens qu'elle nous mène vers une catastrophe sans précédent. 30. J'accepte cette situation et j'admets que je ne peux rien faire pour la changer ou l'améliorer. 31. J'accepte d'être traité comme du bétail, car tout compte fait, je pense que je ne vaux pas mieux. 32. J'accepte de ne poser aucune question, de fermer les yeux sur tout ceci et de ne formuler aucune véritable opposition, car je suis bien trop occupé par ma vie et mes soucis. J'accepte même de défendre à la mort ce contrat, si vous me le demandez. 33. J'accepte donc en mon âme et conscience et définitivement cette triste matrice que vous placez devant mes yeux pour m'empêcher de voir la réalité des choses. Je sais que vous agissez pour mon bien et pour celui de tous, et je vous en remercie. Fait par Amitié sur la Terre, le 11 septembre 2003, par un anonyme.